je pars faire la teuf. Excusez-moi, mais c'est Bagley, là. Faut vous attendiez à quelqu'un d'autre? Ah, y a un pote à moi qui vient de sortir de Wandsworth, en fait. Formidable! Si vous voulez, je lui organise une petite fête de bienvenue pendant que vous réglez une bricole pour la résistance. Félicitations, c'est votre jour de chance. Je m'en occupe. Vous êtes arrivé à destination, le complexe Bloom. Elle était planquée chez Bloom depuis tout ce temps. Depuis que Larsen a vendu votre humble serviteur à Bloom, elle est restée assez proche de l'entreprise. Alors là, c'est de mieux en mieux. Retrouver Sky là-dedans, c'est genre mission impossible. Peut-être qu'on pourra utiliser les données du serveur pour la trouver plus facilement. Je m'en occupe. C'était. Enculé, va. Qu'est-ce qu'on entend? Plus un geste. Thank you.
Non, mais écoute-moi, putain. Putain, je... Cher conseil d'administration, je suis ravie de vous montrer mon nouveau complexe. Il servira d'extension à mon laboratoire quantique et accueillera de nouvelles expériences que je préfère ne pas dévoiler pour le moment. Oui, c'est bien de l'or que vous avez sous vos pieds. De l'or qui, en quelque sorte, n'attendait que moi pour briller d'un tel éclat. Larsen s'est découvert une passion pour les constructions souterraines ou quoi? Je te jure. Débrouille-toi pour trouver un ascenseur qui te conduira sous le campus.
Vérification du transfert neuronal. 90% passé. Chargement de la température du processeur. Sa mère, elle se télécharge dans le cloud. On est mal. Dans quelques minutes, elle sera immortelle. Si tu fais pas échouer le transfert, on pourra plus les arrêter. Ni elle, ni son projet Daybreak. Tu nous as trouvé une vraie mine de données. Je vais tâcher d'en récupérer un maximum pendant que vous sauvez le monde. Une idée peut-être ? Le transfert neuronal est dirigé via les ordinateurs quantiques de ce laboratoire. En les piratant, nous empêcherions notre psychopathe de devenir une super-intelligence artificielle, sans vouloir vous mettre la pression. C'était quoi ça? Des fragmentations des qubits, connexion redirigée. Quelque chose ne va pas.
vous êtes là, n'est-ce pas? Vous ne m'avez pas écouté. Qu'est-ce que vous faites? Redirection de l'accès à la mémoire. Je vous ai dit de rester à distance. Vous êtes en train de faire la plus grosse erreur de votre vie, et vous allez me le payer. Non, arrêtez, je vous en supplie, avant qu'il soit trop tard.
Qu'est-ce que vous avez fait? Reprise du transfert. Allez, reprise du transfert! Sécurité. Envoyez la sécurité au laboratoire quantique. Code rouge! Albion a mis votre camarade derrière les barreaux. Donc tant que vous ne faites pas de grosses bourdes, vous êtes mon agent préféré aujourd'hui. Oh, incapable. Très bien, à moi de jouer alors. Reprise du transfert. Allez, reprise du transfert! Sécurité. Envoyez la sécurité au laboratoire quantique. Code rouge! Oh!
Écoutez-moi. Ce que vous avez vu dans mon laboratoire n'était rien de plus que les étapes préliminaires d'une expérience très importante. C'est peut-être difficile à accepter, mais le programme Daybreak est l'avenir de l'espèce humaine, le seul possible. Il n'y a qu'à voir. La corruption, le changement climatique, la guerre nucléaire, l'humanité est vouée à s'autodétruire. Mais le programme Daybreak peut changer tout cela. Aidez-moi à atteindre la prochaine étape de l'évolution humaine. Nous pouvons sauver des vies et nous élever vers un avenir meilleur. Sec. Est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Elle est en train de mourir. Nous avons de la compagnie. T'as tué et torturé ces gens. Tout ça pour sauver ta vie complètement minable? C'est pathétique! Il ne s'agit pas que de moi. Avec nos esprits dans le cloud, nous pourrons survivre à n'importe quelle catastrophe naturelle. Nous serons libres, heureux et en sécurité pour l'éternité. Mais t'en as rien à foutre de l'humanité. T'es qu'une psychopathe prête à sacrifier n'importe qui, à commencer par ta propre mère. Il est encore temps de changer les choses. Réactiver le transfert. Laissez-moi vivre et je pourrai mener à bien ma mission. Non. Faut pas écouter ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. On éteint tout et on arrête ces saloperies. Peu importe votre choix. Personne ne pourra vous arrêter. Ni elle, ni moi. C'est à vous de décider. Non, ne faites pas ça. J'ai réussi. Je suis libre. Le vrai travail va enfin pouvoir commencer. Et j'ai l'éternité devant moi. Elle a terminé son transfert sur le cloud. Elle est partie. Ben bravo, les DedSec. Je vous confie mon plus gros contrat et voilà le résultat. Poursuivons ce débat dans un autre endroit. Ta copine a offert l'immortalité à Larsen. C'est pathétique. Non mais, allô, on se réveille. Cette nana est clairement un génie, quoi. Elle a révolutionné le monde. Heureusement qu'il y a des gens comme elle pour nous donner un peu d'espoir dans la vie. C'est pas ton putain de job, normalement. J'arrive pas à m'enlever de la tête toutes ces IA qu'elle a créées. Lobotomisées. Asservies. Quelle merde. On aimerait continuer de travailler avec toi, Anote. En même temps, est-ce qu'on a le choix? Tu peux aller te faire foutre. Voilà ce que tu peux faire.